Psychologue atypique, épisode 50. Kima demande. Je suis en cours de diagnostic et dans mon entourage, on me demande à quoi ça sert. Que répondriez-vous à ma place? Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic de TSA à 59 ans. Je ne suis pas un expert. C'est juste que l'autisme est devenu une de mes passions. Alors Kima, déjà, je ne vais pas répondre à ta place. Mais je vais te dire, depuis mon expérience personnelle et aussi d'avoir échangé avec d'autres personnes, deux choses... Trois choses même qu'un diagnostic d'autisme à l'âge adulte, j'imagine que c'est ton cas, hein, si tu poses cette question, peut apporter. Premièrement, ça va t'aider à comprendre qui tu es. Si tu es autiste non diagnostiqué, il y a de fortes chances que tu aies vécu toutes sortes de choses difficiles, parfois même souffrantes, incompréhensibles, et tu vas enfin comprendre pourquoi tu as vécu ces choses-là. Tu vas le comprendre et aussi ça va t'ouvrir la porte à te libérer de l'idée que très probablement tu as intégré que toutes ces difficultés viennent de toi parce que tu es défectueuse, tu es mauvaise, tu es cassée, tu n'es pas normale, tu es tellement différente et tu devrais être autrement. Donc premier point, ça va te permettre de savoir qui tu es. Quand tu vas savoir qui tu es, ben, tu vas savoir que tu es juste différente, ni mieux ni moins bien que les autres, tu fonctionnes différemment que la majorité des gens. Et de savoir que tu fonctionnes différemment, eh bien ça va t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement et à mieux l'adapter aux choses que tu veux faire, à ta vie quotidienne, à tes projets, à tes rêves. Tout simplement en apprenant à te connaître, à reconnaître ce qui te coûte de l'énergie, comment tu recharges tes batteries, les environnements qui fonctionnent pour toi, ceux qui ne fonctionnent pas pour toi, les adaptations que tu vas pouvoir installer dans ton quotidien, dans ta vie, pour pouvoir devenir une autiste heureuse. Et enfin, troisième point, pour ton entourage, eh bien, eux et elles aussi, ça va les aider à mieux te comprendre. Ça va leur donner une nouvelle perspective sur certaines de tes particularités que peut-être dans le passé, ils ne comprenaient pas ou pensaient que tu faisais exprès ou que tu pouvais faire autrement. Et ça va développer leur empathie envers toi. S'ils t'aiment vraiment, ben, ils vont être à l'écoute, ouverts et ouvertes à comprendre ton fonctionnement, lui faire de la place. Donc, le diagnostic va t'aider à mieux fonctionner dans ce monde avec tes propres particularités, à mieux vivre ta différence et à devenir une autiste heureuse. À plus.